Cher journal, ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevelle? Après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux, enfin bref. Allez, à plus. Hey! Richard. Papa. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Gigi. Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevelle. Bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Pepo, mon neveu. Hey, vous pouvez m'appeler Pepo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, trésor. Hein? Ludmilla, je... Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oh oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevelle et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde. Alors? Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzing. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Moi, oh, personne.
La planète Bacaglas était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse! Vous me faites froid partout! Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Voilà! Tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgor! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Non! Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça. Ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage. J'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, Crevasse. Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, ça fait 1. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hé! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Tu vas le regretter. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial. On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Super Chevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan. Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur?
C'est lui! C'est mon portable! Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Pepo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan? Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein? Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres, hein? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science, fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de goutte à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre deux chapitres. Mais sinon, je suis à fond, hein, j'avance bien. Tu parles au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là. Je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le troisième chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, parie tenue. On va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Oh, incroyable, comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah, et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hé, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qui est
Sanders. Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible. Le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara. Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la Reine des Ombres. Je n'irai plus jamais sur Deadpool. Ohé, salut la compagnie. Maman, je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là, je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le docteur Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non, et c'est comme ça. Voilà, maintenant file et j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher, il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi, alors tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord, j'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop, des gars qui slament sur des vieux textes remixés, un truc féroce. Hey, Richard. Salut, ça te dirait d'aller... Oh. Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir quel Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça sans prévenir. Elles dorment, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Pierre-Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Lui retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, en quelle saison reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui met une province. Flammé sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidéra terminé. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions! Viens pas de mec, allez, viens-moi! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille! Ok, ok, j'ai eu tort! Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre! Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère! Je suis bien d'accord! Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transfriction que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Grandmother,
Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidera se retrouve une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien, d'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement, tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites-donc, restez poli. Je voulais dire que... Réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner deux mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transfriction. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute. Vous, ça suffit. Non, mais quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois, quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Oh, ah, faut que je descende. C'est trop tard, ma petite dame. Prochain arrêt, Trouille-Mouise. Le billet, s'il vous plaît. Mais... Bravo! Voilà où ça mène, tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux? Je sais pas trop, en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein? J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, dis. Ah, mais tu sais, je suis une grande fille, il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas, si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La reine des ombres était repartie vers Deadpool. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. We'll be right back.
Lucien, encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah! Ben oui, à vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Ben pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Régional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte flush. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et 10 de der, mamma mia! Rami sec! Famille! J'ai la poisse aux cartes. Ah. Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton pareo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors... Ah, oui, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville, et moi aussi. Pour résumer... Yeah! C'est carrément génial! Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski, à Val des Nazes. Quoi? C'est ça, ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein? J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski, finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val des Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouze? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Ben... Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon ben, je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste 2 places au Majestic Bouquetin de Val des Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique. Et c'est combien? 3 200 €. Quoi? Pour 2? Par personne. Et hors taxe, évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners? T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val des Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val des Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener 2 superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolé. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Ben, non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Tu les as déjà, c'est ça? Non. Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros.
Raconte. Ben, Tristan part à Val des Nazes et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens, on va tout de suite faire les réservations. Attends, t'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ben, ça apporte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour du verre, quoi. Oh. Quoi? Comme à Tanger, juste pour la gloire. Non. Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Val des Nazes accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez Tristan. Attends, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan. Je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends. Et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais? Madame Schum, à vous de parler. Je crois que je vais prendre à trèfle. Madame Schum, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux. Au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Attention, la mouette! La mouette! Le saut de ciment! Accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du troisième monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non! Attends! Toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire! Mais là, je suis au bord du gouffre. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné. Désolée, ma louloute. On ne part pas. Tu sais, Tristan, comment dire, faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Oh, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y, toi, prends ça. Hé, attends.
Tu oublies un détail, j'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village, avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je pars pas à Valdenaz. Quoi? Non, en fait, je pars à Superchevel, dans le village de mon voisin Richard. Superchevel, génial! C'est la station juste à côté, et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as. Imbattable. Quinte flush? Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh. Oh, ben quoi? Oh, quoi? Le match commence dans une heure. Oui, mais Tristan a dit qu'il arriverait en avance. Voilà, j'espère que Superchevel va gagner, hein. Pas moi. Bah, comment ça, pas toi? Tu veux que Richard perde? Ben, en fait, s'il gagne, il va sans doute rester avec Ludmilla. Donc, je préfère qu'il perde, quoi. Évidemment, vu comme ça. Ben, ça alors. Il n'y a pas un chat. Il ne reste même pas un vendeur. Ils sont tous partis au match. Comment on fait pour payer? Ben, je peux vous encaisser si vous avez la monnaie. Ah, vous voilà, venez vite mes petites poules, j'ai vos panoplies HS. C'est quoi HS? Hyper Super Chevel, c'est comme ça que s'appelle le club des supporters. Vous voulez un bon patatogne? C'est une spécialité locale. Pommes de terre frites avec des oignons dans de l'huile de corne de bouquetin. Plus tard, merci. J'ai mes bretzels. Et Lou, elle est où? Tu comptes rester habillée comme ça? Ben oui, pourquoi? Dis donc, ici, on n'est pas chez les gros idiots de Superchevel. Non, ici, c'est la tribune de l'Enaz en force. Non, mais dites donc, vous deux, là, l'esprit sportif, vous connaissez? Tolérance, générosité, ouverture d'esprit, apparemment c'est du chinois pour vous. Le sport doit bannir la haine des cœurs. Il doit rapprocher les peuples dans le respect mutuel de leurs différences. Ça vous dit rien, ça? Bon, ça va. Tu peux rester. Merci. Non, mais... Que maire de Superchevel, je vous souhaite la bienvenue dans notre stade municipal. Cette année, le match intervallé opposera l'équipe de Valdenaz à l'équipe de Superchevel. Je vous rappelle que le match est retransmis en direct sur Choucas TV, notre chaîne locale, et commenté par Ruggiero Lapaz, champion du monde de curling.
agricole et tout d'abord une page de publicité. Par chez nous, le gilet en peau de mouton, ça se porte de père en fils. Gilet Sopatech, mouton de père en fils. Et maintenant, place aux joueurs. À présent, et comme de feu d'usage, les capitaines vont s'adresser quelques injures en patois local. Muflas. Bousignette. Cramouflas. Pintouze. Oh, il semblerait que Richard soit sous l'emprise d'un fameux Dian-Dian. Quelle fureur! Ça nous promet un bien beau match! Attention, ça commence. Et pour ceux qui ne comprennent rien au curling, comme ma grand-mère, rappelons que c'est un peu comme de la pétanque, sans le bruit assourdissant des cigales. Mais voilà que Jean-Pierre de Valdelaz s'apprête à lancer. Voyons tout de suite la réaction de Super Chevel. Oh oui, c'est beau comme un coucher de soleil au crépuscule. Super, super, super Chevel. Super Chevel a nettement pris la tête et l'avantage et s'apprête de nouveau à lancer. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Super Chevel n'a pas de remplaçant. Or, le règlement est très strict. L'équipe de Richard devra donc se contenter d'un seul frotteur. Très joli lancier de Valdenaz. C'est maintenant au tour de Super Chevel. Fait cruellement ressentir. Et les nazes reprend l'avantage. Les nazes, on vous écrase. Les nazes, on vous écrase. Les nazes. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être bien que c'est une mauvaise perdante. La situation se dégrade pour Super Chevel. Il faut bien dire que Valdenaz est à présent loin, devant eux, qui sont derrière. Encore un magnifique lancer pour l'équipe de Valdenaz qui décidément va être très difficile à battre ce soir. Dis donc, c'est quoi ce manège? C'est pas un manège, joue correctement et t'auras un sourire toi aussi. Le sort de la partie semble hélas presque scellé. Richard, attends, je vous présente, comment vous vous appelez? Honoré. Honoré est un expert en ballet. Ah, ça c'est vrai, surtout le ballet brosse, avec ou sans serpillière. Pas question, on fait un match, pas le ménage. C'est moi le capitaine de cette équipe. On le prend. Merci, capitaine. Attendez, j'ai l'impression que Super Chevel vient d'engager un nouveau joueur. Maintenant! Oh là là! Ouais, 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 super! 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 Quel remarquable frotteur! Quel as du manche! Quel roi du ballet! Retournement de situation, c'est renversant.
Super Chevel a maintenant repris l'avantage. Oh, on dirait qu'un remaniement est en cours du côté de Valdenas. Incroyable! Jean-Pierre fait entrer un joueur de classe internationale, une star du curling. J'ai nommé le grand Johnson, Killing Joe Johnson, alias le prince de la Jamaïque. Je me demande bien comment une aussi petite équipe a fait pour se payer un joueur de ce rang. J'ai pris un crédit sur 30 ans. Oh. Spectaculaire! Valdenaz a repris l'avantage alors que Super Chevel n'a plus que deux pierres à lancer. Pour que Richard fasse basculer le score en sa faveur, il faudrait maintenant qu'il réussisse le lancer de la véritable démence. Cette figure mythique a été tentée de nombreuses fois depuis l'invention du curling, mais personne ne l'a jamais réussi. Mais on dirait bien que Richard va se lancer. Quel exploit fantastique ce serait! C'est incroyablement fabuleux, c'est à en perdre la tête. Regardez-les, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein? Oui, c'est vrai. Le score est maintenant à égalité. Richard n'a plus qu'une pierre à lancer. Mais puisqu'il vient d'écarter toutes les pierres adverses, ce n'est qu'une formalité à remplir. Et voilà. Coucou, ça y est, tu vas fêter ta victoire avec Ludmilla. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Mais je n'ai pas du tout envie d'être avec elle. Et en plus, comme les vacances sont finies, eh bien, je vais rentrer en ville avec Lou et toi. Mais Comment t'as pu faire ça, hein? Comment t'as pu rater ce point décisif et trop facile en plus? Super Chevel a perdu la coupe et moi j'ai perdu la face. Tristan et moi, c'est terminé et tout ça, c'est à cause de toi. Revenez quand vous voulez. Merci. Bye bye. À bientôt. Alors là, moi je suis pas prête de revenir. Hein. Je déteste les sports d'hiver. Hey. Salut. Je crois que j'ai été un peu ridicule hier pendant le match. Ben, pas autant que moi. Ça doit être la faute au Dian-Dian. Oui. On va dire ça, oui. Dis, on pourrait passer le reste du voyage ensemble. Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ben, écoute, j'ai beau chercher, je vois pas d'inconvénient, là. Non, pas un seul.
déjeuner au lit, hein, pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut. Salut. T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre, ouais. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Mmh. Regarde. Waouh. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira: oh, ma chérie, c'est merveilleux. Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux. Le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue, tirage limité. Je connais pas. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichella est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Oh là là! Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et deux fois le week-end dernier. Oh, pardon, trois fois. Elle est totalement fan alors. Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis s'est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans trois semaines. Désolé. Misère. Tiens. Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je voulais voir si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? C'est moi ça? Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores, c'est comme ça que tu me vois. Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères? Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais. Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais... pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste zéro budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir. Et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es géniale! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Ben... Oh! Tout le monde est prêt? Attention! Moteur! Hey, attends! On n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB12 va biffer dans 30 secondes.
En place, tout le monde! Faut qu'il aille vers Richard. Allez! Moteur et... action! Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y! Coupé! C'est pas gagné. Non! Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la millième fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action. Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cybercircuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. Coupé! Génial! Montre! Allez, fais voir. Allô? Formidable! C'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, hey, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schiom, s'il vous plaît, on y était presque, attendez! Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À boule le rongeur, et tout de suite! Comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute. Ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse! Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect! Ça suffit, je rentre! J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là 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 là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, hey, relax. Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde! Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou, ohé, allez la flaque, réveille-toi. Allez! Coupé! C'est bon pour le chat! On passe à la tirade de Manikela! Action! Ma, j'ai fait ça pour votre bien! Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite! Oh, c'est comme ça! Eh bien, il retourne à mes pizzas! Oh, quelle insolence! C'est moquer de Gino! Reviens! Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolée, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Et attends, je ferai le ménage dans la cage d'escalier. Non, c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée, elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. J'ai une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je veux savoir ce qui se passe ici. Mamie! Ah! Oh, oh non, non! Reviens! Hey! Oh, misère! Je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais inviter tout le monde. Patience! Va t'asseoir sur le canapé.
Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichella est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le super-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruinée. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Il ne faudra pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Bien oui. Promener au parc. Je te raconte pas la journée de dingue que je viens de passer. Mais t'es restée à la maison à jouer avec le chat? Ben oui, c'est bien ce que je dis. Oh, tiens, c'est nouveau ça. Achetez une pizza, la deuxième vous est offerte et vous avez droit à une boisson gratuite au choix. C'est tentant. T'as pensé à Gino? Ça lui fait de la concurrence. Je me demande ce qu'il en pense. Voglio uccidere lo porca miseria! Je ne comprends pas l'italien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit super ravi. Si, je suis furioso! C'est de la concurrence déloyale! Oh, calme-toi, Gino, c'est qu'une camionnette, tu vois? Une toute petite camionnette. Non! C'est une provocation, une attaque sournoise, une invasion inadmissible! En Italie, ça déclencherait une vendetta! Je vais perdre toute ma clientèle, faire faillite et être obligée d'aller vivre dans les bois. Mais non, enfin, tes pizzas sont les meilleures de la ville. Personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. Et surtout pas nous. Ah, si? Veramente? Vous n'irez pas chez Italia Presto? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Le frigo est cassé? Non. Rangé. En haut, les aliments périmés et en bas, ce qui est encore bon à manger. Quel plat succulent peut-on préparer avec de la moutarde et des bananes? À part des bananes à la moutarde, je vois pas. Burk. J'allais le dire. Alors la question reste entière. Qu'est-ce qu'on mange? Salut, vous avez faim? J'ai acheté des pizzas. Tu ne peux pas mieux tomber. Italia Presto? Donc désolé, on peut pas manger ça. Ben pourquoi? Elles sont encore chaudes, je viens de les acheter. C'est pas la question, ce serait de la trahison. On l'a promis à Gino. Mais enfin, on est en démocratie. Vous avez le droit de manger les pizzas que vous voulez. Ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'amitié. Et puis tu ne sais pas ce que Gino fait à ses ennemis. Non. Moi non plus, mais j'ai pas envie d'essayer. On préfère encore manger des bananes à la moutarde. On a promis, tu comprends?
Bon, tant pis. Je vais manger ces deux délicieuses pizzas tout seul. Je vais me régaler. Elles sentent vraiment bon, vous ne trouvez pas? Alors? Alors, si Gino apprend qu'on a mangé ça, on est bonne pour la vendetta. T'en fais pas, j'irai jeter les cartons demain matin en partant à l'école. T'es sûre? Mais oui, y a pas une chance sur mille que Gino sorte ses poubelles en même temps que moi. Ciao, Bella. Tiens, Gino, alors comme ça, tu sors tes poubelles pile en même temps que moi, c'est drôle. Merci. Écoute, celle-là est pleine, il faut aller ailleurs, quoi. Non, il y avait tassé. Ah, porca miseria, Italia presto. Je suis vraiment extrêmement déçu. Attends, Gino, je vais tout expliquer. Écoute. J'en ai mangé qu'une seule part et j'ai même pas trouvé ça bon. Et maman, pareil. Quoi? Mia Pupa, elle en a mangé aussi. Vous allez apprendre ce qu'on fait aux traîtres dans mon pays, vendetta. Je crois qu'il va nous pardonner, il avait l'air vraiment, vraiment fâché. Je lui ai acheté 12 roses rouges. Je suis sûre qu'il va apprécier ce geste. Vous auriez dû acheter des chrysanthèmes pour les mettre sur la tombe de notre amitié. Ah, bon. Ok, t'es très fâché, mais si on essayait de discuter tranquillement de tout ça? Non, je ne discute qu'avec mes amis. Bon, ben, on peut dîner, s'il te plaît? Non, ce soir, tout est réservé. Je suis sûr que vous trouverez des délicieuses pizzas ailleurs, non? Chez Italia Presto, par exemple. C'était pas très sympa, ça. Pas très sympa? C'est carrément mufle, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? On va faire exactement ce que Gino nous a conseillé. Lui acheter des chrysanthèmes? Oh non, on va aller dîner chez Italia Presto. Alors, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, maman. Je me demande si c'est bien qu'on vienne dîner ici. Si Gino l'apprend... Oublie Gino. Choisis plutôt une pizza. Quatre saisons, margarita, calzone. C'est que j'en ai un peu assez des pizzas. Alors, laissez faire Massimo. Je vais vous régaler avec la spécialité de la casa. Ok. Vous fermez déjà, Gino? Si. Ce soir, il n'est pas la tête à faire des pizzas. C'est à cause d'Italia Presto? Si, porca miseria! Ce pizzaiolo maledetto, il a ruiné une amitié que j'ai pensée éternelle, belle comme les plafonds de la chapelle Sixtine. Pardon? Je disais que cette concurrence, c'est dur. Ah, ça c'est sûr. Italia Presto vous vole tous vos clients. D'ailleurs, Lou et sa mère, ils dînent en ce moment, je viens de les apercevoir. Quoi? Votre spécialité de la casa était un vrai délice. Oh oui, alors. Honnêtement, Massimo, c'est le meilleur osso buco que je n'ai jamais mangé. Cette fois, c'est la guerre. Et voilà. Oh, c'est superbe. Salut, Gino. Hé, arrête. Au petit B de la question 3, j'ai trouvé 41. Et toi? Lou. Tu m'écoutes? Au petit B de la question 3, qu'est-ce que t'as répondu? De quelle question tu parles déjà? Ok, c'est quoi ton souci? Non, mais c'est cette guéguerre avec Gino, j'en peux plus, ça me prend la tête. Bah, t'as qu'à essayer d'arranger les choses. Je veux bien, mais comment? Bah, D-
Docteur, il paraît qu'un terrible virus s'est répandu dans votre établissement. Il ferait perdre la mémoire. Effectivement, et il est très virulent. Comment vous appelez-vous déjà? Je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré dans mon bureau? Je ne sais plus. Coucou. Au lieu de déprimer devant la télé, que dirais-tu de commander une pizza loup? Nouveauté chez Italia Presto. La pizza loup. Une pizza loup? Oui, mais... Massimo l'a créée en ton honneur. Allez, habille-toi, on va voir à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai pas très faim. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, Gino me manque, pas toi? Salut! Si, Gino me manque un peu, beaucoup même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être lui dire qu'il nous manque tout simplement, non? Perdu, on dirait, comme moi. Tu sais quoi? Quand on est perdu, le mieux, c'est de regarder autour de soi pour voir si on a un ami. Là, à côté de moi, j'ai un ami. Et je voudrais pas le perdre. Parce qu'il me manque. Ciao! Camionnette de Massimo a disparu. J'en sais rien si c'est un coup de Gino, moi. Ok. Au revoir. Ciao, mie puppe! Qu'est-ce qui se passe avec Massimo? Il déménage! Il va s'installer ailleurs? Si, on a passé la soirée ensemble. Il est simpatico. On a décidé de ne plus se faire concurrence. Il va s'installer dans un autre quartier. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Son osso buco me manquera. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Jusqu'à ce soir, mia puppa! Vous êtes mes invités! J'espère qu'on va rester amis longtemps, Gino. J'ai encore besoin de pas mal d'entraînement. Moi aussi, je l'espère de tout mon corps. Thank you.
ma louloutre. Tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Une lettre. Exactement. Une lettre du directeur du collège. Il m'écrit que ton prof de gym ne sait même pas à quoi tu ressembles. C'est vrai, je sèche tous ses cours. Mais faut me comprendre, hein. Je supporte pas, petit 1, les survêtements qui me donnent un style de rappeur immonde, et 2, les vestiaires de gymnase qui sentent le sanglier. Désolée, mais tes arguments ne tiennent pas la route, comparé aux bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. T'aurais pas lu ça sur le paquet de Krusty Choc? Où tu vas chercher des idées pareilles? Avertissement. Mangez les Krusty Choc avec modération et n'oubliez pas qu'une saine pratique d'activité physique et sportive est bonne pour votre santé. C'est super important de se bouger. Mens sana in corpore sano, comme a dit Juvenal, un esprit sain dans un corps sain. Bah, ton Juvenal, il a jamais dû mettre les pieds dans un gymnase. Écoute, je te propose un arrangement. On se fait une partie de Dario et Tonic au JO. Si tu gagnes, je t'écris un mot d'excuse pour t'exempter de sport jusqu'à la fin de l'année. Si tu perds, tu devras retourner en cours de gym. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je relève le défi, mais à une condition. Je t'écoute. Plutôt que de se mesurer à un jeu vidéo, je propose qu'on s'affronte dans la vraie vie en faisant une vraie course. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un tour complet du parc dans une semaine? Ça te va? Comme ça, toi aussi, tu pourras profiter des bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. Ok. C'est bon, marche est conclue. Un tour complet du parc dans une semaine. Salut la flaque. Le saviez-vous? L'orang-outan est capable de dévorer 850 kilos de crottes de nez au cours de sa vie. Quant au crocodile de Patagonie, il est capable d'ingurgiter 75 orang-outans en un mois. C'est quoi ces fringues? Il n'y a jamais eu... Ma tenue de sport, je vais m'entraîner au parc. À 7h du matin? Qu'est-ce que tu crois? Je tiens à la gagner, cette course. D'autant plus que l'avenir sportif de ma fille en dépend. Et tu crois vraiment que tu vas battre ta mère? Évidemment que je vais la battre. Bon, ok, je suis pas allée en gym depuis des mois. Je suis pas super entraînée et j'ai sans doute un peu perdu. Mais bon, c'est qu'un petit footing de rien du tout. Et puis tu sais, la seule partie qui est musclée chez ma mère, c'est ses pouces. C'est pas la peine de faire un petit bilan en forme physique alors? Non, pas la peine. Bon, peut-être que si après tout. Mais c'est juste histoire d'être sûre à 100% parce que franchement, là, je me sens au top, hein. Alors, tu veux quelle version? Diplomatique ou vérité vraie? Mais pas la peine de prendre les gants, dis-moi tout. Comme tu voudras. Alors, souplesse, 0. Tonus, 0. Endurance, 0. En fait, tu peux gagner si tu cours contre un escargot fatigué. Mais si tu veux, je peux t'entraîner. Je suis un super coach. T'es chouette. Ben, je veux bien. Génial. Alors, conseil numéro 1, ne jamais avouer ses faiblesses à son adversaire. Tu rentres bien tard. C'est que moi aussi, j'ai commencé à m'entraîner. Ah, et ça s'est bien passé? Impeccable. Je suis en pleine forme. Et toi? Impeccable. Le secret de la longévité, Boubou, ne jamais faire de sport. Je me suis jamais sentie aussi bien. Super. Je vais faire mes devoirs. Oh. Aïe, quelle galère. On y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va, on y croit. Bah, tu vois, ce n'est qu'une question d'habitude. Ouais. Ça va? Vraiment? Mieux? T'es une super...
heureuse. À ce rythme, tu vas battre ta mère les doigts dans le nez. Hé, oh. Maman. Je savais pas que t'avais un coach. Ben si, chacun le sien. Depuis que je l'entraîne, elle a fait des progrès extraordinaires. Ah oui? Vraiment? Oui, vraiment. Bon ben, à plus tard. C'est ça, à plus tard. On y va, on y croit, on y va, on y croit. Si ma mère s'occupe de ta mère, ça change tout. Ah oui? Maintenant, va falloir mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles? À vos marques, prêts, jeu! Vous connaissez le baron Pierre de Coubertin? Mais si, c'est le type qui a ressuscité les Jeux Olympiques, là. Bon, bah, il aurait dit quelque chose du genre « L'important, c'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Franchement, en temps normal, je suis assez d'accord avec lui. Mais, comme Marcel Proust a dit, dans la vie, ma petite cocotte, il y a des circonstances où il faut savoir changer d'avis. Bon, c'est peut-être pas Marcel Proust qui a dit ça, c'est peut-être Gandhi. Ou bien, Monsieur Verdier. Bon, je sais plus. Bref, face à ma mère et motivée par ma haine profonde des vestiaires qui sentent le chien mouillé et le sanglier, j'ai décidé plutôt de suivre la doctrine de John McEnroe. Seule la victoire est belle, entraîne-toi dur et laisse parler ta raquette. C'est vrai, ça. À quoi ça sert de s'entraîner comme une folle si c'est pas pour gagner, hein? Bonjour. Bonjour. Ah, t'as laissé tomber les croustichocs? Oui. Trop mauvais pour la santé, je me suis mise à la nourriture saine. Tofu, pousse d'alfalfa, protéines de soja, pour pied et pour finir un bon jus de radis noir. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Pousse d'alfalfa, protéines de soja, pour pied, tofu et jus de radis noir. Ah. Je me sens en super forme aujourd'hui. C'est drôle, moi aussi. Tiens, je pourrais escalader l'Everest. C'est marrant, moi pareil, et sans corde en plus. Moi sans les mains. Et moi sans les mains et sans les pieds. Ben moi sans... Ça suffit, rendez-vous au parc dans une heure. J'y serai la première. La première après moi. Je rappelle les règles d'usage. Après un tour, un seul du parc, la première qui aura franchi la ligne d'arrivée sera déclarée vainqueur. Les croche-pieds, coups d'épaule et autres coups fourrés sont strictement interdits. Maintenant, place au sport et que la meilleure gagne. Monsieur Verdier, qui est neutre comme la Suisse, donnera le top du départ. Oui, bon, ben rapidement parce que je n'ai pas que ça à faire. Il faut absolument que j'aille acheter le programme télé pour ne pas rater la clinique de la Forêt Vierge. Ensuite... Ok, merci, on fait vite. Attention! À vos marques! 3, 2, 1. Ah!
le médecin vient juste de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Double claquage des adducteurs plus un lumbago qu'il a qualifié lui-même de spectaculaire. Ah oui, et puis comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus il m'a dit que j'ai... Allô? Mince, plus de batterie. Tiens, ton mot d'excuse. Tu avais raison. À quel sujet? Sur le sport, c'est pas bon pour la santé. Mais alors, pas bon du tout. Monsieur le directeur, ma fille souffrant d'une maladie génétique héréditaire très rare, je vous prierai de bien vouloir la dispenser de sport jusqu'à la fin de sa scolarité. Waouh, c'est génial! Du coup, tu viens pas en gym ce matin? Cool! En fait, je crois que je vais y aller. Hein? Bah oui, finalement, tout cet entraînement, ça m'a pas déplu. Et l'odeur de sanglier crevé dans les vestiaires alors? C'est pas grave, ça, je me changerai ailleurs. Et les survêtements immondes? Mais j'ai ma super tenue maintenant! Ah, tu vas enfin reprendre la saine pratique des activités physiques et sportives. Ah tiens, toi aussi tu manges des croustichocs. J'adore. Quoi, là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco, c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration, pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et Superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17, venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non! Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grande pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave. Il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion? Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Mmh.
C'est quoi ça? C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors, tu mets la boule là, et le but du jeu, c'est d'envoyer la boule dans le truc, là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa, ce jeu! À toi, louloute! Tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière-arrière-arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Vandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je vais scotcher. Ah. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit ralenti pour nos chers téléspectateurs du troisième âge. Et la boule passe dans l'arceau. Ah, 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes un million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma loulou! Devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi! C'est sûr, toi tu préfères les croquettes? C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954, pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Les autres. Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin.
et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman, je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4 à 3 pour la team Québec. Youpi, ya! À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car ils ne poussaient rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre! Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre! Bien sûr qu'on va les battre! Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner! Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs! Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Gna, 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 gna. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou, c'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Non! Oh, c'est de ma faute tout ça, ce sport stupide et... Ah, t'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations! Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle! Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Ouais, trop fort! Mais... Et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination.